Donc, la cyberintimidation, la définition la plus commune que je pourrais vous dire, c'est l'utilisation des formes de technologie. Ben, je trouve que la cyberintimidation, ça peut se faire vraiment de n'importe qui, même si tu ne les connais pas. À cause, maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a quasiment tout le monde a accès à l'Internet. Alors, comparé à l'intimidation, tu vois la personne. Et tu sais exactement c'est qui. Mais maintenant, avec l'Internet, ça peut être n'importe qui, ça peut être anonyme. Alors, comparé à l'intimidation dans les écoles, tu peux aller chez toi et ça va être comme... Tu vas pas les voir jusqu'à la prochaine journée. Mais avec l'intimidation sociale, ça t'arrive à la maison, dans comme... J'ai signalé ma photo, puis Facebook l'a retiré. Si jamais tu reçois une photo à caractère sexuel qui n'est pas la tienne, efface-la. C'est important. Pour aider aussi les parents et les membres du personnel, mais en même temps aussi les élèves, leur donner des petites stratégies, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils voient ça, s'ils témoignent ça en ligne, comment ils peuvent aider leurs amis au niveau des stratégies, on peut mettre ça dans nos plans. Il n'y a rien de cool là-dedans. Il faut que ça arrête. Faut aider Véro. Avant de supprimer la vidéo, je vais aller y voir. Je vais aller l'encourager de voir le directeur. Je vais demander si, avec Jeanne et Akel, je vais aussi aller voir les boys et leur demander de pas envoyer la vidéo. En envoyant la vidéo, ils détruisent Véro. Moi, je la crois quand ils disent cette fois agressive. L'important dans tout ça, c'est Véro. Faut qu'elle sache qu'on... On la soutient, qu'elle n'est pas seule. Mais surtout comme si tu te fais intimider à l'école et en ligne, ça a un gros impact sur comment tu te sens à l'école. Surtout que tu ne vas pas être capable de te concentrer pour la prochaine période ou le reste de la journée. Il faut vraiment éduquer les élèves, même comme première année. À cause ça arrive déjà en personne en première année, de plus en plus de jeunes ont accès à ces réseaux. J'ai honte. Vraiment honte. Elle m'a fait confiance en m'envoyant sa photo et je l'ai complètement trahi. Honnêtement, c'est un geste vraiment bas. Pensez-y avant de diffuser une photo qui vous appartient pas.